Dragon Ball, il y a eu pas mal de censures. Et c'est pas une blague, hein. Si vous allez sur ce lien, vous verrez que le nombre de censures est énorme. En tout cas, salut les fans de Dragon Ball, et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, les gars, on va parler des censures dans Dragon Ball. Enfin bref, on va pas perdre du temps, et en tout cas, c'est parti, générique. Numéro 1, les censures en France. Eh oui, en France, il y a eu des censures. Et d'ailleurs, l'épisode qui a été le plus censuré en France, c'est l'épisode L'Oncle. Dans cet épisode, Gumball apprend que Ocho, un camarade de sa classe, a un oncle qui s'appelle Mario. Et vu que ça lui fait penser au Mario qu'on connaît tous, il décide de devenir son ami. Bon, au final, à la fin, c'est vraiment un Mario tout dégueulasse. C'est pas le vrai Mario, ça se voit clairement. Mais du coup, quelles sont les scènes censurées dans cet épisode? La première censure, c'est que l'écran est inversé. La deuxième censure, c'est quand le moment où le coquet donne un coup de pied dans l'entrejambe de Gumball, et bah cette scène a été coupée. Dans la troisième censure, le moment où le cupcake met la poubelle dans la tête de Gumball, il ne le tape que 3 fois. Dans la quatrième censure, le moment où le cupcake titube et demande de l'aide à Gumball, cette scène a aussi été coupée. Dans la cinquième censure, le moment où les globes au cœur de Gumball sortent, cette scène a été coupée. Et pour finir, la scène où Ocho capture Gumball, cette scène a été coupée. Bon, là le truc que vous vous demandez sûrement, c'est par qui ont été faites ces censures. Et surtout, pourquoi? Bon, alors par qui? C'est évident que ça a été fait par Cartoon Network France. Par contre, pourquoi? Bah ça, j'en ai aucune idée. Parce que franchement, je pense que ces censures ont été inutiles. Car oui, hein, ce genre de scène, on peut les voir fréquemment dans Gumball. Et pourtant, ils ont juste censuré dans cet épisode. Numéro 2, les censures sur Netflix. En France, le 15 décembre 2019, Netflix ajoute le monde incroyable de Gumball à sa plateforme. Bon, c'était pas ouf, parce que déjà, il y avait que les 3 premières saisons. Mais aussi parce qu'il y avait quelques scènes censurées dans 3 épisodes de la saison 3. Et du coup, bah on va en parler. Le premier épisode avec des scènes coupées, c'est dans l'épisode Le Hamster. Cet épisode, c'est le tour de Gumball et Darwin de garder le hamster de l'école, Chris Morris. Mais bon, au début, il ne voulait pas, puisqu'il était un peu... Ouais, bref. Mais au fur et à mesure du temps, ils vont s'attacher à lui. Mais bon, depuis le début, c'était juste les poils de Monsieur Brown qui traînaient dans la poubelle. Et du coup, à la fin, ils vont se rendre compte que Chris Morris est en fait encore dans le collège. Ils vont donc aller le chercher. Mais bon, tout va partir en vrille. Bon, maintenant, je vais dire les 2 scènes censurées. Dans la première censure, la scène où Monsieur Brown et Madame Simian se font la cour, cette scène a été coupée. Et dans la deuxième censure, la scène où il y a le clip bizarre avec Gumball, Darwin et Chris Morris, bah, la scène a été coupée. Le deuxième épisode qui a été censuré, c'est l'épisode Le Papillon. Dans cet épisode, Mademoiselle Signan explique aux élèves c'est quoi l'effet papillon. Ah, tu sais pas ce qu'est l'effet papillon? Bah, c'est un truc de ce style. Bon, voilà, je pense que t'as saisi l'idée. Et du coup, au moment où elle veut montrer l'émergence du papillon, ça sonne. Tout le monde part de la classe. Mais au moment où tout le monde part, il reste Gumball et Darwin. Derrière, il voit que le chrysalide bouge. Et il en sort un magnifique... Non, non. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Du coup, Gumball décide de le libérer. Mais bon, comme Mademoiselle Signan l'avait dit, l'effet papillon commence à faire surface. Et du coup, à la fin de l'épisode, quand le papillon arrive vers la fenêtre, il y a une grosse tornade derrière lui. Et c'est comme ça que se termine l'épisode. Enfin bref, du coup, quelle est la scène censurée dans l'épisode? Le moment où Darwin voit les fesses du Jolla Banane au microscope, bah cette scène a été coupée. Le troisième épisode qui a été censuré, c'est l'épisode Le Triangle. Dans cet épisode, les enfants reçoivent leurs instruments pour la fanfare. Gumball reçoit un triangle, un instrument bien éclaté, et Darwin lui reçoit un sifflet signe. Après ça, il va faire une mélodie tellement bien que c'est lui qui va jouer le solo. Mais bon, Gumball est jaloux, car à la base, ils sont des losers ensemble. Enfin bref, du coup, c'est quoi la scène censurée? Le moment où Leslie dit à Darwin d'imaginer des gens tout nus, bah cette scène a été coupée. Franchement, je vois vraiment pas pourquoi Netflix sont sur le monde incroyable de Gumball. C'est justement ce genre de scène qui font que, bah, c'est Gumball quoi. Sachant qu'en plus, c'est pas la première fois que Netflix font ce genre de choses. Numéro 3, les censures au Royaume-Uni. Bon, je vais pas vous mentir, les épisodes qui ont été censurés au Royaume-Uni ont eu les mêmes censures qu'en France. Du coup, je vais vous parler d'un autre épisode. L'épisode Noël. C'est Noël à Elmore, mais sans faire exprès, les Watterson écrasent un sans-abri. Les enfants et Richard pensent que c'est le Père Noël, sauf Nicole, qui est persuadée que ce n'est pas lui. Bon, au final, oui, c'était bien lui. Et en fait, il n'était pas en Père Noël, puisque vu qu'il n'y avait pas la magie de Noël, il était en mode, on va dire, sans-abri. Mais du coup, quelles sont les scènes censurées dans cet épisode? Le moment où Nicole dit à Gumball, Darwin et Anaïs que le Père Noël n'existe pas, que la rame d'enfant pas, cette scène a été coupée. La deuxième scène censurée, c'est le moment où Nicole dit, et c'est ainsi que j'ai appris la terrible vérité, que le père n'existe pas, cette scène a été coupée. Du coup, l'histoire se finit par « mais il n'est jamais venu ». Et pour la troisième censure, le moment où Nicole cherche Gumball, Darwin et Anaïs,
et qu'elle dit « La petite souris n'existe pas, le Yeti et la Suisse, cette scène a été coupée. » Bon, je sais que je me répète, mais franchement, à quoi servaient ces censures? Bon, à la limite, pour le Père Noël qui n'existe pas, je peux comprendre. Mais dans tous les cas, on le voit à la fin de l'épisode, donc c'est pas trop logique. Et ensuite, pour le truc de la petite souris, du Yeti et la Suisse n'existe pas. Pourquoi? Pourquoi l'avoir censuré? Je comprends pas. Bref, en tout cas, les gars, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à rejoindre sur Discord, à vous abonner à mon compte TikTok, Twitter. Et en tout cas, salut tout le monde. C'était le fan de Gumball. Ciao.